Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Si on veut comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe et quand ça va se passer, c'est ici qu'on se retrouve et on a l'aide de collaborateurs qui sont aux quatre coins de la belle planète Terre pour nous renseigner. C'est vraiment exceptionnel et essentiel et on les remercie. Ceux qui ne sont pas convaincus que tout est normal, ben rassurez-vous, on est le 10 septembre 2019 et il y a eu de la neige hier dans les Alpes et il y en a aujourd'hui dans les Pyrénées. Ce matin, il faisait 8 degrés ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Tout est normal. Il n'y en a pas de réchauffement climatique. Il n'y en a jamais eu puis il n'y en aura pas. En tout cas, pas pour l'instant. Et puis, ça n'a rien à voir avec l'industrialisation. La pollution, oui, mais pas les changements climatiques. On va aller voir ça. C'est une abonnée qui nous envoie ça, Anne, que je salue, et qui nous dit, il y a deux jours, c'était les Alpes. Aujourd'hui, les Pyrénées, chez nous. Le matin, c'est entre 3 et 2 degrés, et la normale, on n'en fait pas une tragédie. C'est quoi la normale, hein? Ben, on est vraiment en dessous de la normale. On continue de parler de la canicule, et peut-être qu'elle va revenir, d'après eux. Ils ont la nostalgie. Le comble, si ça continue, c'est le chauffage que nous allons remettre en service. Bonne journée! Pyrénées, la neige est de retour sur les sommets ce mardi. La neige tombera ce mardi dans les Pyrénées au-dessus de 2000 mètres d'altitude avant le retour du temps chaud en fin de semaine. Un petit coup de froid va toucher la chaîne des Pyrénées ce mardi après des journées chaudes et avant le retour du beau temps. Météo France annonce le retour de la neige dans le massif au cours des prochaines 24 heures. Dans la nuit de lundi à mardi, les premières chutes de neige auront lieu à partir de 2000 mètres sur l'ensemble de la chaîne et elles risquent de tenir au-dessus de 2500 mètres. Nous nous attendons à enregistrer 20 cm de neige. L'indicateur national des températures en Celsius minimales quotidiennes a chuté de 7,5 ce matin en moyenne sur la France. C'est une valeur remarquable pour la saison. Oh là là! Donc, cette neige dans les Pyrénées sera accompagnée de pluies en pleine, mais elles seront de courte durée puisque de belles éclaircies sont attendues pour la fin de semaine avec 30 degrés Celsius à Toulouse. Grâce à un cycle anticyclonique, les températures se resteront chaudes jusqu'à la fin de l'été, précise le prévisionniste. Une arrivée des flocons peut paraître précoce, mais pas tant que ça. En général, ils sont là vers le 20 ou le 25. Donc, ceux qui nous annonçaient la disparition de la neige, et là, on essaye de tourner ça dans toutes les coutures possibles et imaginables pour vous faire avaler que tout est normal, qu'on ait de la neige comme ça aussitôt. Mais on n'est pas des cons. Merci à Anne, et je vous reviens.